D'avant Amir Azzolani, l'avocat de Laetitia et Johnny Hallyday, a parlé du couple comme du couple très complice. C'était un couple profondément soudé, profondément respectueux l'un de l'autre. Elle vivait mal de devoir envisager la mort de son mari. Chaque fois que le sujet était abordé, elle pleurait, précise-t-il. Et de poursuivre, c'est pourquoi Johnny préférait qu'elle ne soit pas présente. Lorsqu'il venait me parler de la période qui suivrait sa disparition, prétendre que Laetitia lui a forcé la main est une aberration quand on connaît la détermination de Johnny. Lorsqu'il a informé qu'il allait prendre des dispositions testamentaires afin qu'elle soit bénéficiaire de son patrimoine dans l'intérêt de Jade et Hoy, mineur, elle a décidé d'en faire autant de son côté, précise-t-il par ailleurs, une manière peut-être aussi de conjurer le sort qui voulait qu'il parte avant elle, indique par ailleurs Ardavant Amir.